Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'Arôme de l'Amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec la sécurité qui va séparer Bernardo et Yvan. Yvan dit que c'est Bernardo qui est entré dans son bureau sans autorisation. Olga dit que Bernardo est le nouveau manager, et la sécurité amène Yvan. Lucia va chez Lucrecia, celle-ci lui ferme la porte, mais elle la supplie de la laisser entrer. De son côté, Julia boit du café en regardant l'agenda d'Octavio, elle voit des écrits, et se souvient des terres que Gaviota a dit qu'Octavio lui a données. Lucia dit à Lucrecia qu'elle se sent seule, et ne sait pas quoi faire sans Sébastien. Lucrecia lui demande pourquoi elle n'a pas quitté le pays avec sa fille pour ne plus offenser les gens. Lucia lui dit qu'elle est sortie elle aussi avec Martin, et lui demande pourquoi elle la juge. Elle dit qu'elle a besoin d'aide, Lucrecia dit qu'elle ne veut pas l'aider, ni être son amie, ni même l'accueillir dans sa maison. Lucia s'excuse pour ses erreurs, Lucrecia la met à la porte, et elle se met à pleurer. De l'autre côté, Gaviota fait de la nourriture pour les femmes, afin de les inciter à travailler. Margarita profite de l'occasion pour s'excuser, Gaviota lui demande de ne pas s'inquiéter. Margarita lui avoue qu'elle était jalouse d'elle, Gaviota lui demande pourquoi elle l'était, et Margarita lui répond qu'elles sont toutes deux nées dans la pauvreté, mais Gaviota a évolué tandis qu'elle est restée dans la pauvreté. Gaviota dit qu'elle n'est au-dessus d'aucun piédestal, et lui dit que sa vie n'a jamais été lumineuse, et dit qu'elle admire beaucoup Margarita. Elle dit que beaucoup de personnes l'admirent, car la vie n'a pas été facile pour elle, mais elle s'est toujours relevée. Elle demande à Margarita de ne pas pleurer, Margarita lui dit qu'elle l'admire beaucoup, et la remercie. Elle dit que Gaviota est un vrai leader, Gaviota lui fait un câlin, et elles sont toutes contentes. De son côté, Lucia pleure à chaudes larmes, on l'appelle au téléphone, et elle dit qu'elle arrive. Lucrecia lui demande ce qui s'est passé, et elle répond qu'on a retrouvé le corps de son père. Lucrecia l'accompagne, et s'excuse pour ce qui est arrivé à son père. Elle répond que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, car son père était une poubelle. Lucrecia lui demande de ne pas dire cela, Lucia dit que c'est la vérité, et dit que le pire est qu'elle lui a ressemblé. Bernardo les rejoint, elle lui dit que son père est décédé, et lui dit qu'elle n'a pas d'argent pour ses obsèques. Il lui dit qu'elle peut compter sur eux. Il lui dit que Sébastien est en détention. Julia appelle Israël et lui demande pourquoi Octavio et Gaviota étaient venus dans son bureau. Il dit qu'il savait qu'elle allait lui demander cela, et lui donne des documents. Lucrecia demande à Bernardo pourquoi ce n'est pas Yvan qui assume ce crime, Lucia dit que ce n'est pas facile de trouver des preuves contre Yvan, et Bernardo dit qu'ils ont espoir d'en trouver une. Il leur demande de l'informer, si elles reçoivent une information qui peut sauver Sébastien, et sauver la compagnie. Bernardo reçoit un appel, et s'éloigne. Lucrecia dit à Lucia qu'Yvan est un bâtard, et a laissé Sébastien être arrêté à sa place. Lucia lui demande si elle pense vraiment ça, elle dit oui, et dit qu'Yvan n'a pas de morale, ni d'éthique. Elle lui dit qu'il a couché avec elle juste pour offenser Sébastien, puis, elle lui demande si elle a quelque chose à voir dans cette affaire. Lucia dit non, en étant inquiète. De l'autre côté, Wilson va chercher Pedro, Margarita lui demande ce qu'il fait là, et il répond que le boss l'a envoyé. Il donne une enveloppe à Pedro, mais il ne la prend pas, celui-ci lui demande pourquoi Carlos Mario ne prend pas ses appels. Wilson dit qu'il est en voyage, et dit qu'il va lui dire à son retour qu'il l'a cherché. De son côté, Israël dit à Julia que Octavio lui a dit de préparer des documents pour donner des terres à Gaviota. Il dit que quelques jours après, Yvan est venu dans son bureau lui dire que son père traverse une période difficile, et a dit que Gaviota voulait profiter de lui. Il dit qu'Yvan lui a dit que Gaviota n'a pas payé pour ses terres, Julia est déçue une fois de plus d'Yvan. Gaviota prend le déjeuner avec les femmes du village,
en leur parlant de leur projet. Milena arrive et se met à l'écart, mais Gaviota lui demande de les rejoindre. Carmenza va donner du café à Julia et à Israël, puis elle la remercie pour le conseil qu'elle a donné à Gaviota. Julia lui demande où elle vivait avant de venir au ranch. Elle répond qu'elle vivait avec sa mère. Elle lui demande si elles n'ont jamais eu leur propre terre. Carmenza dit non, et dit qu'elles l'auront bientôt. Sébastien est tout pensif dans sa cellule. Lucia vient lui rendre visite, mais il refuse de la voir. Elle demande au policier s'il lui a dit pourquoi elle est là. Il dit oui, et dit qu'il n'y a rien à faire. Gaviota fait appel à une femme d'affaires pour qu'elle partage son expérience avec les femmes du village. De l'autre côté, Olga amène des documents à Bernardo et dit qu'elle a reçu un mail des clients de Paris. Il lui demande s'ils ont annulé leur commande, elle dit oui, et il devient pensif. Il dit qu'ils ne doivent plus cacher le fait que Sébastien a été arrêté, et dit qu'on va penser qu'il se cache. Yvan fait ses valises pour aller au ranch. Lucia lui demande son argent. Il lui demande si c'est tout ce qui l'intéresse. Elle dit oui, et dit que c'est tout ce qui lui reste. Il dit qu'il va au ranch réclamer des terres, ou les 25% de l'héritage avant que sa mère ne le donne à Gaviota. Elle dit qu'elle est allée en cellule, mais il l'a refusé de la voir. Avan lui demande pourquoi elle s'expose ainsi. Elle lui dit que son père est mort, et Lucrecia l'a accompagnée à la morgue pour identifier le corps. Il s'excuse, et dit qu'il n'était pas au courant. Elle le supplie de l'accompagner à l'enterrement de son père, mais il dit qu'il ne peut pas, puis, il s'en va avec ses valises. De son côté, Gaviota s'inquiète car Sébastien ne l'a pas appelé depuis. Elle demande à Aurelio s'il l'a appelé, il dit non, et dit qu'il doit avoir beaucoup de choses à faire. Julia appelle Aurelio, et lui demande de dire à Carmenza, et à Gaviota de la trouver dans la salle d'études. Lucia demande à accompagner Yvan au ranch, mais il dit qu'il ne peut pas débarquer là-bas avec elle. Elle dit qu'elle va amener Sofia avec elle comme Julia l'aime beaucoup, et va également lui dire que son père est mort, et elle est toute seule. Yvan lui dit que Sofia n'est plus sa petite fille, puis il lui demande si elle a causé avec Lucrecia. Elle dit oui, et dit qu'elle a été choquée de savoir que Sébastien a été arrêté. Elle ajoute que Lucrecia le déteste. Lucia lui dit que s'il ne revient pas avec son argent, elle va le rejoindre au ranch avec Sofia. Pendant ce temps, Carmenza de Gaviota partent voir Julia. Elle dit qu'elle veut leur rendre les terres qu'Octavio les avait données. Gaviota dit non, mais Julia lui demande de ne plus dire un mot. Elle dit qu'elle leur doit des excuses. Gaviota lui dit que ce n'est pas nécessaire, et la remercie. Elles disent qu'elles ne veulent rien, mais Julia insiste, et dit à Israël de leur remettre les documents. De son côté, Marcia a toujours un contrôleur sur son pied. Elle demande à Wilson quand va revenir Carlos Mario. Il dit qu'il ne sait pas, et dit qu'il ne l'a même pas appelé. Marcia demande à appeler sa tante, car elle doit sûrement être inquiète pour elle. Elle lui demande s'il n'est pas fatigué de rester sans rien faire. Il répond qu'il est payé pour ça, et elle lui demande s'il n'est pas fatigué de suivre les ordres. Elle lui demande s'il a pensé à ce qu'elle lui a dit, et dit qu'ils peuvent aller très loin de Carlos Mario. Elle lui demande s'il n'a pas de rêve, il s'en va sans rien dire, et elle dit qu'elle est sûre qu'il aime son idée. Julia insiste, mais Gaviota et sa mère ne veulent toujours pas prendre les documents des terres que leur a donné Octavio. Gaviota appelle Sébastien sans cesse, Bernardo a son téléphone, mais il ne décroche pas. Elle dit à Julia qu'elle aimerait d'abord causer avec Sébastien. Julia leur donne les documents de les lire d'abord. Bernardo va voir Sébastien et lui dit que Gaviota l'appelle sans cesse. Il dit qu'ils doivent leur dire la vérité. De l'autre côté, Gaviota et sa mère signent les documents. Israël leur dit que les terres leur appartiennent maintenant et il s'en va. Gaviota et sa mère remercient Julia. Yvan arrive et elles sortent de la salle d'études. Yvan demande à sa mère pourquoi elle a accepté que Sébastien fasse venir Gaviota et sa mère dans cette maison. Elle lui dit que c'est elle qui a voulu être avec son petit-fils,
et lui demande s'il y a un problème. Pendant ce temps, Sébastien dit qu'il s'inquiète parfois pour Lucia, car il a l'impression que tout ne va pas bien pour elle. Bernardo lui répond que c'est la vie, et dit que chacun récolte ce qu'il sème. Il dit que la compagnie est en train de crever, et dit que le pire arrivera quand les clients apprendront qu'on l'a arrêté. Sébastien dit qu'il peut imaginer, et dit que personne ne voudra plus faire les affaires avec les Valiero. De l'autre côté, Julia demande à Ivan quels sont ses plans pour les aider à résoudre les difficultés qu'il leur a causées. Il dit que c'est à Sébastien de s'en occuper, il dit qu'il est venu pour les champs, et dit qu'il n'a aucun plan. Elle lui dit de ne pas être sans honte, il lui demande de vendre les terres et de lui donner son argent. Elle dit qu'ils vont prendre cette décision en famille, elle lui demande de se mettre hors du business familial, et lui demande de payer ses dettes.